Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. On se retrouve pour la suite du calendrier de l'Avent. Nous attaquons le jour 21. Donc on a déjà eu le petit pot en chocolat. Ouais, deux petits pots dans tout le calendrier de l'Avent. Oui, bon, là, précédemment. 21. Oh là là. Alors, dans les petites collines enneigées là-haut. Coquillages ou crustacés. Bon, j'espère pas que... Je me suis fait manger par le calendrier. Vous avez une Saint-Jacques, madame. J'aime bien les Saint-Jacques, mais c'est un 100% chocolat, donc je pense pas... Une papillote. Vous en voulez pas, vous en avez. Avec la même blague, avec la mandarine et son pépin. Oh non, quand même pas. Ah bref. Ah si. La même blague, non. La même blague avec la mandarine et son pépin. Une clémentine vit les mandarines. J'ai peur qu'il tombe une bonne averse. Quelle importance serait pour la clémentine? J'ai mon pépin. Voilà. Alors il y a tous les chemins. Ah oui, oui c'est vrai qu'il y a celui-là qui est très drôle. Tu le connais pas? Enfin vraiment limite à force de le lire tu peux nous la citer par cœur. Tous les chemins dolmenorum. Proverbe gallois, gaélique, pardon. Et attention, voilà. On en a droit à une autre quand même. Un peu de variété. Que demande un bouc dans une parfumerie? Un after chèvre. Ouais, mais ça veut dire qu'il a copulé avec la chèvre pour... Oui, okay. J'ai pensé à ça également. Okay. Non, voilà, oui, bon, content de matinée, ils sont pas drôles. Voilà, bon, il y a eu un moment de folie, un blague de cul, on va dire, avec bouquetin, et puis voilà, quoi. Bon, allez, c'est parti, on va goûter l'énième papille. J'en connais une qui va encore avoir une pâte de fruits. Mais nous, on n'a pas eu la pâte de fruits, hein, c'est toujours, on peut échanger. Je pense que ça va être comme à la cour de récré cette fois-ci. Ouais, t'as le papillote, moi j'ai ma pâte de fruits. Ok, on échange et tout en douce. On fait un swap. Bon, pas mâchouillé par contre. C'est celle avec le petit croustillant. Ouais, le croustibat quoi. Coque chocolat noir, croustillant. Chocolat lait. Ouais. Moi j'en pas les papillotes, moi je commence à être lassée de cette papillote là, je t'avoue, mais... Ouais. C'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire, puis les blagues sont pas drôles, c'est toujours les trois mêmes, en fait. Ouais, je pense qu'ils ont fait une guirlande, ils ont découpé tout le temps la même chose. Mmh. Bah voilà. La papillote de la désillusion. Mais hier c'était chouette. Ouais, c'est chouette, ouais, mais c'est en dents de scie, enfin c'est vrai que... Après, la papillote, c'est le chocolat de Noël, en fait, tout simplement. Ouais, mais là, j'en ai... Enfin, désolé, mais j'en ai un peu ras le cul, quoi. C'est ok, c'est le chocolat de Noël, on va dire « Ah, mais Benjamin, t'as pas la passion de Noël !» La passion. Non, mais au bout d'un... Feliz Navidad. Non, mais là, je vais mettre sa papillote, là, dans le Feliz Navidad, tu vois. Non, mais je suis désolé, il a trop... Trop de papillote, tue l'entrain de Benjamin. Non, mais même, t'as même plus envie de croquer dans ta papillote. J'aime. C'est là, boire la papillote, hein. C'est un peu comme si t'avais du poisson pané à la cantine. Et encore, si t'avais des blagues qui diffèrent, comme dans les carambars ou dans les apéricubes, là, je dis bon, allez, au moins pour la blague. C'est toujours les trois mêmes blagues. Encore, on a une nouvelle, on a eu l'after chèvre. Sincèrement, vu le niveau des blagues... Genre, même le tonton bourré à Noël, il est plus drôle, quoi. Ouais, c'est la mort des zygomatiques, en tout cas. Donc voilà. Ce sera donc le mot de la fin. Rien de plus à ajouter, quoi. Interdisons les papillotes. Quand même pas. Le front d'interdiction des papillotes. Non, mais moi, j'en ai ras le cul, quoi. C'est chiant. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Évitez les papillotes. Salut, salut.